quatre sacrifices à faire pour sortir de la pauvreté en 2022. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique. Je suis entrepreneur et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur quatre sacrifices à faire pour sortir de la pauvreté en 2022. Notez bien la nuance. Il ne s'agit pas des sacrifices à faire pour devenir riche, mais plutôt des sacrifices à faire pour sortir de la pauvreté en 2022. Cela dit, vous ne serez pas Bill Gates ou Jeff Bezos lorsque vous ferez ces sacrifices, mais au moins, vous ne vivrez plus dans les contraintes, dans les limitations de la pauvreté. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir le quatrième sacrifice qui est celui qui vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Ok, je pense que quand il s'agit de la pauvreté, il ne faut pas que je vous fasse attendre longtemps. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec le premier sacrifice à faire. Le premier sacrifice, les gars, vous savez ce qu'il y a à faire, c'est d'arrêter l'alcool. Il faut tout faire pour éloigner les liqueurs et les bières de votre quotidien. Il y a une phrase que j'entends souvent sur Internet, je crois que c'est un Camerounais qui le dit, « Est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards ?» Bon, enfin, c'est assez drôle, mais bon, je ne sais pas la réponse que vous donnez à cette question, mais il est évident que ça s'applique au niveau personnel. Plus sérieusement, est-ce qu'on peut améliorer une vie en étant un soulard? La réponse à la question est non. Et croyez-moi, il y a des gens qui ont déjà bu leur terrain, bu leur voiture. Il y en a qui sont en train de boire leur avenir. En 2022, il faut que ça s'arrête. Si vous voulez voir des améliorations dans votre vie, si vous voulez vaincre la pauvreté, le premier sacrifice à faire, c'est de vous éloigner de l'alcool. Et en plus, l'alcool a ceci de particulier qu'il vous fait avoir un certain rythme de vie et vous entoure très souvent de beaucoup d'amis qui, dans la réalité, n'en sont pas. Mais pour vous en rendre compte, vous n'avez seulement qu'à devenir lucide. Les choses deviendront claires, très claires pour vous. Lorsque les choses seront bien claires pour vous, vous pourrez vous attaquer au deuxième sacrifice à faire. Le deuxième sacrifice, c'est de réduire le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Si vous voulez un ordre de grandeur, une heure par jour est le maximum. Au-delà, vous êtes en train de perdre votre temps. Et à la fin de la journée, ça devient addictif. Tout est programmé sur les réseaux sociaux pour que vous soyez scotché aux écrans. Si vous n'en prenez pas garde, les écrans vont vous avaler avec leur buzz, leur distraction, leur clash et autres. Ce temps que vous perdez de cette façon-là, vous feriez mieux de le prendre pour travailler sur vos projets personnels, vos projets dans la vraie vie. Maintenant, si vous êtes un influenceur qui gagne de l'argent avec sa présence sur les réseaux, on peut comprendre que vous passiez votre temps sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de travailler en fait, on le comprend. Mais pour les autres, pour la grande majorité, perdre votre temps sur les réseaux sociaux va vous desservir. Vous êtes en train de vous éloigner de ce qui compte réellement pour vous. C'est du temps que vous devez prendre à travailler sur vos projets personnels. Prenez ce temps pour gagner de l'argent. Si vous avez un salaire que vous croyez que ce temps perdu n'a aucune incidence sur vos revenus, vous êtes en train de vous foutre le doigt dans l'œil jusqu'à la nuque parce que vous êtes en train d'intégrer petit à petit une mentalité de pauvreté sans le savoir. J'espère que vous avez bien compris cela. Maintenant, on peut passer au troisième sacrifice. Le troisième sacrifice, c'est de mettre un terme à la procrastination. La procrastination, c'est le fait de reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Au premier regard, ça peut ne pas sembler comme un sacrifice de faire ce que l'on a à faire au moment où on doit le faire. Mais procrastiner a tendance à s'intégrer dans les habitudes humaines parce que c'est la voie de la facilité et du confort. La facilité de ne pas avoir des choses difficiles à faire et le confort de ne pas être confronté à des décisions difficiles à prendre. Donc naturellement, l'individu aura tendance à procrastiner. Il faut donc faire un effort pour arrêter de remettre à demain ce que
l'on peut faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez bâtir votre richesse, c'est aujourd'hui que vous devez gagner votre argent, ce n'est pas demain, donc passez à l'action. Passez massivement à l'action. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Passez à l'action. Et le quatrième sacrifice vous fera beaucoup de bien. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ce quatrième sacrifice vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats. Ce quatrième sacrifice, c'est probablement le meilleur investissement que vous n'aurez jamais à faire. Ce quatrième sacrifice, c'est d'investir en vous-même. C'est une expression générique qui englobe pourtant beaucoup de choses. Il s'agit d'investir dans votre bien-être physique, dans votre santé, d'investir dans votre développement personnel et également d'investir pour acquérir de la connaissance, des compétences et du savoir-faire. Ce sont des choses que personne ne pourra vous arracher, mais qui vous feront gagner beaucoup d'argent. Investissez en vous et vous ne serez plus jamais pauvre. On ne court pas après l'argent. Lorsque l'argent sait que tu es après lui, il peut déployer des ailes et fuir. Par contre, tu vas toujours attirer de l'argent par la qualité de personne que tu deviens, parce que tu seras la personne à laquelle les gens penseront lorsqu'il y a une activité qui demande de la qualité d'exécution. Bien entendu, une activité rémunérée. Comment est-ce qu'on devient une personne de qualité qui attire de l'argent? Déjà, il faut faire les trois autres sacrifices dont j'ai parlé, mais en plus, il faut investir en soi. Si vous faites cela, vous verrez que 2022 sera une année de succès pour vous. J'imagine que vous n'avez pas de temps à perdre. Donc, prenez maintenant les résolutions qu'il faut pour faire ces sacrifices. À vos résolutions répondra le succès. D'ici là, on se dit à la prochaine.